Bonjour, que diriez-vous? On a réservé une chambre à la famille Miller. Miller, 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 ça me dit quelque chose. Oui, nous sommes venus l'an dernier. C'est le même personnel, oulolo, super. Oui, les mêmes personnages starbelés comme tu disais. Oh bah oui, c'est ça. Très bien, bah vous avez la même chambre que l'an dernier, la chambre 101. Ah, dommage, nous voulons un peu changer de chambre. Bah là, c'est que vous n'avez pas vraiment le choix, hein. C'est la dernière chambre disponible, enfin voilà. Non, c'est pas grave. Avez-vous des bagages? Oui, ils sont là. Très bien, mais ne les montez pas, on va vous les monter. Charlotte, s'il te plaît. Oui. Viens emmener ces clients à leur chambre. J'arrive. Faisiez-vous? J'étais en train de faire le ménage, des vitres, comme vous l'avez demandé. Très bien. Va emmener ces gens à la chambre 101. Très bien. Venez, suivez-moi. Bon, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas terminé le ménage de cette chambre. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. Très bien. Venez, l'ascenseur est à côté. Voilà la clé 101. Vous pouvez monter avec Charlotte. Très bien, merci. Et c'est qui a la clé? Attendez, c'est moi, je vous la passe. Je vous explique. Vous voyez, cette clé a un sens pour entrer dans la porte. C'est dessiné ici, qu'elle a un sens. Et dès que vous avez trouvé le bon sens, vous appuyez et vous poussez et ça ouvre la porte. Voilà! Et maintenant, vous pouvez rentrer. Donc voilà, normalement, c'est la même chambre que l'an dernier que vous aviez eue. Oui, tout à fait. Bon, bah voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas terminé le ménage. Il y a encore pas mal de poussière, mais bon. Voilà, j'ai pas eu plus d'années. Non, c'est pas grave, ça va. Bon, je vais chercher vos valises. Comment elles sont? Il y a une bleue et une rose avec des petites fleurs dessus. Très bien. Seulement deux? Ah oui, seulement deux. Très bien, je vais vous les chercher. Merci. Bon, bah super, la même chambre que l'an dernier. Ouais, super. Cette fois-ci, je suis en haut. Parce que l'an dernier, j'étais tout en bas. Alors, je suis en haut cette fois-ci, hein. Eh oui, si tu veux. Et moi, il n'y a pas mon lit? C'est vrai ça, il n'y a pas ton lit. On m'a oublié, je vais pas pouvoir dormir, j'ai pas vu. T'inquiète pas, on va demander un autre lit ou je ne sais pas quoi, mais t'inquiète. L'an dernier, il y avait 4 lits. Oui, 4 lits, ouais. C'est pas ce que je pensais. Je suis tout en haut. Moi, j'ai envie d'être la deuxième. En troisième, quoi. Moi, deuxième. Bah, moi, j'aimerais être tout en bas, mais bon, voilà quoi. Il n'y a pas de lit pour moi. Si, ne t'inquiète pas, on va me demander. Asseyez-vous sur votre lit pour savoir qui est dans ce lit. Tout en haut. Moi, deuxième position, même si c'était pas le plus beau, hein, il faut avouer qu'il est... Voilà quoi. Bah, moi, tout en bas, enfin, je vais voir. Ok. Le personnel se rappelle de nous, mais là, il a pas l'air aussi... Starbelé. Ah là, Eric, ce mot, il veut rien dire en plus. Oui, mais bon. Voilà. Je dirais pas les mêmes. Toutoulou. Ah, c'est cette chambre. La chambre d'à côté, je ne sais pas pourquoi. Bon, tenez vos valises, je vous les laisse là et je vous laisse vous installer. Oui, merci. Bon. On n'a plus qu'à s'installer. Après s'être installé, on a complètement oublié de demander un quatrième lit. Ah oui, c'est vrai. Je vais demander à la femme de ménage. Ok, merci Carla. À qui dois-je demander? Tu es perdue, ma petite? Non, j'ai juste une réclamation à faire de la part de mes parents. Très bien, quelle est-ce? Donc c'est la chambre 101, normalement il devrait avoir 4 lits enfants, mais il y en a seulement 3. Attends, 101, 101... C'est bizarre, pourtant il a demandé un lit double pour adultes et 3 lits enfants. Pourtant on en a demandé 4. Très bien, Charlotte, s'il te plaît. Oui, encore. Apparemment il manque un lit dans la chambre 101. Bon, très bien, je vais en chercher un. Merci bien, tu peux remonter dans ta chambre. Merci. C'est bon, j'ai demandé, ils vont apporter un lit. Ah, très bien, merci. De rien.
Et le monsieur pourtant de l'accueil oui, de l'accueil a dit pourtant que vous avez bien réservé un lit pour adulte et 3 lits enfants et non 4. Oh, c'est bizarre, je me suis peut-être trompée ou je sais pas. Marsan, c'est qui à la télé? Ah ouais, j'avoue. Maman, pourquoi t'as changé la chaîne? Les informations, c'est pourri. Oh là là, c'est un chanteur là. Oui, bah, j'ai le droit de changer aussi. Non. Bon, moi, je sais pas. Vous, je vais voir les voisins. Vous venez? Non, je préfère rester ici. Moi, je viens avec toi. Ok, bah alors, tu viens? Ouais. Maman n'a dit d'ouvrir à personne. Donc, j'ouvre à personne. Théo, non, Théo, pleure pas. Tu vas faire du bruit, tu vas nous faire repérer. Je sais. Voir qui c'est. C'est bizarre, j'entends des bruits, mais il n'y a personne qui ouvre. Ouais, c'est bizarre. Allez, je vais voir qui c'est. Vous êtes qui? On était voisins. Ah, ok, désolé, je devais ouvrir la porte à personne, c'est pour ça. Ah, d'accord. Donc on revient plus tard? Non, venez, venez. Donc vous êtes mes voisins, mais je n'ai pas de voisins. On vient d'arriver. Ah, d'accord. Vous appelez comment? Moi, je m'appelle Carla. Moi, Maxence. T'as un frère ou une sœur? Ouais, j'ai un petit frère, il est sur le lit là-bas. Ah oui, il est tout petit. Et vous? Bah, moi, j'ai une grande sœur. Sauf que pour Maxence, c'est sa jumelle. Et on a une petite sœur. Ah, d'accord. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 9 ans. Et Maxence et sa jumelle, du coup, ont eu 12 ans il n'y a pas longtemps. Ah oui. C'est les vacances, hein? Ouais. Je vais passer en sixième. Et moi, en cinquième. Ah, moi aussi, je vais passer en cinquième. J'ai 11 ans et demi. Ah. Bon, on revient plus tard comme t'as pas le droit. Ok. On va te présenter notre soeur aussi, tiens. On va l'appeler. Ok. Je vais l'appeler. Ok. Ouais. Bien, la voisine, c'est une. Bah, y a un enfant, ça... enfin, elle a 11 ans et demi. Tu viens? Ouais, d'accord. Ouais, elle arrive. Ok. Salut. Wow, vous ressemblez beaucoup quand même. On est des jumeaux. Oui, je sais, Marc te l'a dit. Alors, en même temps, c'est là-bas des jumeaux de se ressembler. Pas tous. Bon, moi, je m'appelle Maëlie, c'est toi? Moi, je m'appelle Mia, j'ai 11 ans et demi. Moi, j'ai 12 ans, du coup. Et mon imbécile de frère aussi. Je te signale, je suis premier de ma classe, donc me traite pas d'imbécile, toi qui es la dernière. Toi, Carla, t'es forte ou t'es nulle? Moi, je suis plutôt forte, je suis la deuxième de ma classe, je fais tout pour être la première, mais c'est trop dur. Mais bon, je suis déjà mieux placée que Maëlys, hein. Et vous m'avez dit que vous avez une petite sœur. Quand vous dites petite sœur, c'est petite ou assez grande? Oh, petite, elle a 2 ans. Ah, oui. Quand même. On va te laisser, hein. Ouais. Au revoir. Au revoir. Bon, les voisins? Ils sont gentils, enfin là c'est une fille qui a 11 ans et demi et elle a un petit frère mais il est tout petit. Ah oui d'accord. Ils sont gentils? Ouais, elle, enfin son petit frère, je sais pas, mais. Et elle est toute seule? Ouais. C'est pour ça qu'elle ne répondait pas. D'accord. Bon, aujourd'hui on peut pas faire grand chose, mais demain, bah. On va faire des petites choses. Hein. Le premier jour, on fait jamais grand chose. Ouais. Bon. Bah bon. Vivement demain. Oui, pour faire les choses.